pars déjà? Faut que j'aille en ville. En ville? Je peux conduire? Et depuis quand t'as le permis, toi? Ça va, on est dans les Vosges. J'aimerais mieux que tu restes à la maison. On sait jamais. Quelqu'un pourrait venir acheter des légumes. Putain, tu m'as fait peur. T'allais courir. C'est bon, papa, lâche-moi avec ça. Allez, file. C'est passé. Je l'ai loupé. Oh, ça va. J'ai coincé. Mais qu'est-ce que tu non, fais? N'approche pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis désolé de vous déranger. En fait, je marche et ça fait quelques jours que j'ai pas mangé. Donc, si vous avez quelque chose à manger, ce serait vraiment super. Entrez, je vous en prie. J'ai écrit un livre, il y a quelques années. Un bon succès à l'époque. C'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme et qui part sur la route pour fuir la police. Mais surtout, pour fuir ses propres démons. Vous feriez un bon personnage de roman. Je vous écrirais bien. Un peu ingénu et qui marche loin d'un monde qu'il ne reconnaît plus. C'était comme un ciel trop bas, dans lequel il y avait parfois de brèves éclaircies. C'est juste quand je lis du... Baudelaire. L'ensemble des chefs de service m'a demandé de protester en leur nom et de vous notifier que votre attitude les empêchait de travailler, disons, profitablement. Ils supportent de plus en plus mal, je cite, les initiatives fantasques d'un maire touche à tout qui sabote leurs entreprises quand ils ne s'en approprient pas le mérite. Oui, papa, ça va? Comment tu te sens? J'aimerais bien sortir d'ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les médecins? Bien rien. C'est juste un petit malaise. Un petit verre. Après ces deux jours épouvantables, ça peut pas faire de mal. Papa, t'as un traitement. Pendant les prochains jours, c'est le moment idéal pour arrêter. J'arrête quand je veux. Puis je vais bien. Puis le médecin, il sait pas ce qu'il dit. Papa, l'alcool te rend malade. Lola, arrête de me casser les pieds. Je suis fatigué. Ne me demande pas de changer qui je suis. Et moi, je sais qui tu es, papa. Lola. L'alcool. C'est toute ma vie. Je voulais venir. Mais le médecin me l'a interdit. Il m'a dit que... Je ne pouvais pas faire un aussi long trajet dans cet état. Mais t'en fais pas. Personne ne te reproche de ne pas être venu. J'en peux plus. D'être dans cet état-là. Ça va aller. T'es pas tout seul.